Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver et donc bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons donc réaliser ce petit cache-cœur. Alors pour la laine, ma fille elle a tout mélangé. J'ai quand même gardé donc que... Alors donc c'est toujours la laine, la marque Alizé, spécial bébé. Donc là c'est juste la teinte... couleur qui change, donc vous avez toutes les informations concernant la laine. Alors ça change un peu parce que alors je voulais utiliser cette couleur, c'est toujours la même chose, il y a donc un spécial bébé. Vous pouvez voir les teintes sont un peu différentes. Il me restait juste un tout petit peu, donc là il faut que j'ajoute une pelote. Donc Pour ce petit cache-cœur, donc, on va prendre une pelote de 100 grammes, toujours 100 grammes. Et nous aurons besoin donc d'une épingle. Et puis donc, on aura besoin de deux aiguilles, donc numéro 2. Et puis une aiguille numéro 3. Donc des aiguilles numéro 3. Alors vous pouvez prendre des aiguilles normales ou bien circulaires. Et comme j'ai dit toujours, moi je préfère travailler avec des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile à transporter. Donc pour commencer ce petit cache-cœur avec des aiguilles numéro 2, nous allons monter 74 à 78 mailles. Donc moi je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une petite modification. Tout à l'heure, je disais 77 mains, 77 mains, 78 mains. En fait, c'est 82. On commande 88 mailles. Alors sur les 88 mailles, on va réaliser 6 cm de côte 1-1. Donc on fait une rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers sur toute la rangée. On termine par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Dans le travail, alors pour continuer, une maille, on prend une maille à l'envers. Alors ici, on fait une maille, double maille à l'endroit. Okay. Je ne viens pas piquer dans la maille du dessus, mais plutôt dans la maille du dessous. Donc ici, on fait une maille à l'endroit. Double maille à l'endroit plutôt, une maille à l'envers et je refais donc double maille à l'endroit, maille à l'envers, double maille, oui, à l'endroit, maille à l'envers et double maille à l'endroit sur toute la rangée. On va terminer la rangée par double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et une maille à l'envers. Quand on le travaille, on refait donc la même chose, maille à l'envers,
double maille à l'endroit, maille à l'envers et double maille à l'endroit. Alors on va répéter ces deux rangées sur 4 à 6 cm. On répète ces deux rangées. On termine donc de monter 12 rangées et à partir de là donc on va changer d'aiguille, on passe aiguille numéro 3. Alors à partir d'ici donc on va laisser une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. 8 mailles, on va toujours les tricoter, les 8 seront toujours au point de mousse. Et on va commencer avec la première rangée donc du point ajouré. On tricote tout. On prend les mailles à l'envers. Alors ici, ce côté, on va laisser par rapport donc au nombre des mailles pour le point ajouré. On va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles de ce côté. Donc, 2, 4, 6, 8 et 9. Et on fait 9 mailles à l'endroit. Donc j'arrête avec les aiguilles numéro 2, je continue avec les aiguilles numéro 3. Donc j'ai fait 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors pour la deuxième rangée du point, on fait donc 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Deux. Trois mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. J'ai fait une erreur ici. 2 mailles à l'endroit, 3 à l'envers. 2 et 3.
deux mailles à l'endroit et fais une, deux et trois. Et je fais deux mailles à l'endroit, puis je prends une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je te mets au travail. Je fais 8 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je fais 2 mailles à l'envers pour le point, je viens rabattre 3e maille, une maille à l'endroit, injecter une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers et sur les trois on reprend la séquence. Deux mailles envers et trois, une maille injectée, une maille, deux mailles à l'envers et on va refaire donc sur toutes les mailles concernant donc le point ajouré. 2, injecter une, injecter deux mailles, une maille injectée, une maille et deux mailles à l'envers. Et on va terminer par 9 mailles à l'endroit. Donc, on termine par 1 maille à l'endroit, 1 jeter, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je crois que c'est 8 mailles. J'ai dû faire entrer une maille ici. Alors, c'est 8 au lieu de 9 parce que quelque part, j'ai sauté. Au lieu de faire 2 mailles, de réaliser donc le point. Alors, ici, on va supprimer une maille. Alors, vous allez m'excuser parce que les mailles sont justes. Moi, j'ai dû faire une erreur quelque part. Oui. Alors, donc. Pour que ça soit bien égal, on va supprimer une maille pour faire 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, heureusement que c'est au début, donc on peut se rattraper. Donc j'ai dû faire une erreur. Alors là, on prend 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc 8 mailles de chaque côté. Deux mailles à l'envers, 2 à l'endroit, 3 à l'envers plutôt. Oui, excusez-moi. Voilà. On termine donc par 8 mailles à l'endroit.
On fait donc 8 mailles à l'endroit, 2, 8, 2 mailles à l'envers. Ici, on fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, et on termine deux mailles et 8 mailles à l'endroit. Quand on le travaille, on prend les mailles comme elles se présentent. Donc 8 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. On termine par 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 8 mailles à l'endroit. Alors, suite on fait donc 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, donc ici je glisse 2 mailles, je tricote les deux, une maille à l'endroit et deux mailles à l'envers. Je glisse deux mailles, je les tricote ensemble, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble et deux mailles à l'envers et on répète.
et 2 mailles à l'envers. Et on fait sur toutes les mailles. Deux mailles à l'envers et 8 mailles à l'endroit. Alors on repart avec 8 mailles à l'endroit. Oh, excusez-moi, on fait 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Et on termine par 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 8 mailles à l'endroit. Alors, donc j'ai 1, 2, 3, 4 barres points de mousse. Je fais donc 2 et 3. Et 4, je fais un jeté, je fais 2 mailles ensemble pour former la première boutonnière. Je fais 1 et 2. Alors, donc ça c'est les rangées normales pour réaliser ce motif, donc ce point ajouré. On va répéter après la réalisation donc de la boutonnière, on répète la première rangée du point. Simplement, on fait 2 mailles à l'envers comme j'ai fait ici au début. Je viens rabattre cette maille sur les deux autres et puis je fais deux mailles à l'envers et je répète la séquence du début. On fait 2 mailles et on termine la séquence 2 mailles à l'envers. Et ici on fait donc 1, 2, je laisse ici 2, 3. On fait un jeté et on fait 2 mailles ensemble. Et donc lorsqu'on repart, on refait donc la même chose. Donc on va répéter le motif comme ceci.
2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Voilà donc. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent et puis on refait la deuxième partie du point. Alors donc lorsqu'on atteint le total, j'ai fait donc 33 à 34 cm, 33 à 34 cm au total. On va faire lorsqu'on est donc, ici. Donc je fais mes 8 mailles normalement. Et je prends les mailles comme elles se présentent. Ici. Ici. Et on termine donc avec les 8 mailles. Si. Et lorsqu'on tourne le travail, on va faire donc les 8 premières mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 18, 19 et 20. Alors, 20 mailles, je vais faire les 20 mailles. Je les laisse sur une épingle. Donc, ce qui vient dire que je vais laisser aussi 20 mailles ici. Et donc, je vais arrêter. Une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26, 27, 28, 29, 30, j'ai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et puis je prends le reste des mailles comme elles sont. Je laisse un petit bout de fil pour la couture. Alors, pour le second morceau aussi, j'ai terminé. Donc, j'ai une, deux et trois boutonnières. Alors, je vais faire donc la même chose que le premier morceau. Donc, je vais laisser 20 mailles. Donc, on a 8 mailles et on les prend 4, 5, 6. 7 et 8 et on prend 20 mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
puis on arrête les mailles centrales et on va laisser 20 mailles plus 8 de chaque côté, donc 28 mailles de l'autre côté. On arrête le même de nombre de mailles que j'ai fait pour le premier morceau et puis on va faire la couture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on prend, tricote les mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? On tricote tout à l'endroit. Puis voilà, et donc pour faire la couture, c'est simple, on va simplement superposer les deux parties. Je vais enfiler mon aiguille. La laine que le petit morceau dont que j'avais laissé. On superpose ainsi et puis on va faire la couture. Première, deuxième ici, cette maille avec celle-là, ensemble, je viens prendre celle-là, celle-là. Voilà, donc on va coller les deux morceaux ainsi. Quand on va terminer avec alors, on va simplement cacher le fil.
Donc voilà, après on va cacher le fil entre donc les mains et on vient ici, on va refaire la même chose. On a juste à replacer les mailles dans la bonne position et puis faire ici. Donc on termine ici et on se retrouve après. Donc là j'ai terminé de faire la couture, ce que ça me donne. Enfin, alors ce que je vais faire à la fin, c'est simplement relever les mailles tout autour de l'encolure et puis monter une bonne rangée en côte de 1-1 comme j'ai fait ici. Alors, pour cela, avec un crochet, on vient relever toutes les mailles donc possibles. Donc, on va faire le tour. À chaque fois, on remet. Alors, si vous êtes, si vous pouvez le faire directement, c'est toujours un peu compliqué. Je fais avec un crochet, c'est mieux. Voilà, donc je fais les tours, je relève toutes les mailles possibles. Lorsqu'on termine donc de placer les aiguilles, les mailles sur ces aiguilles, sont ici. Donc on va commencer. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on va tricoter en rond, parce que ça diffère un peu du point de côte du début. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va tricoter ainsi en rond. Oh, excusez-moi. On va faire le tour, on va tricoter. Oh. Alors, donc après, on va poser ces boutons. Donc pour ce modèle, les boutons, on va les poser à l'intérieur. Là, nous avons le devant. Les boutons, on va les poser à l'intérieur ainsi. Donc, cette